Ça cap fait, mettez-vous à l'aise pour qu'à bien enjoy you et puis pareil tu fais ben abonnez-vous pour qu'à venir jouer titiller. Naomi Okasa, baby tata, non ça très familier pour vous, mais c'est pendant Zachary, pas trop. C'est pour ça dans la vidéo, ça m'a parlé de International Haïtien. Si vous voulez qu'on tout bagaille, bien, regardez la vidéo. Si vous avez une vidéo, je parle de Naomi Okasa, qui a tout connu question haïtienne avec 100 japonais, mais c'est parce que dans la vidéo, ça m'a parlé de un joueur qui est haïtien, mais qui est sans asiatique tout. Eh bien, la Zachary Eivo, qui était pour l'instant dans le pays Japon, exactement dans la ville Okazaka, le 1er février 1996, donc 25 ans, mais là, c'est un militaire qui a joué une équipe Birmingham Legion dans le pays États-Unis. Mais Eivo, tu as commencé à former comme joueur une équipe New England Revolution, c'est pas avant ni après 2015 qu'elle était montée dans la première équipe là, et débuté professionnellement du 7 juin de la même année 2015. Là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est fait avec la sélection nationale là, parce qu'elle était débutée en 2007 et fait face à l'équipe Japon, qui est le pays maman là, où tu m'as fini 3 goals partout. Mais là, depuis les salles déjà complété en quantité de 19 matchs avec la sélection haïtienne. Zachary Eivo, fils de Pedro Eivo, qui est un ancien joueur de football tout. Mais c'était à l'époque là, dans le pays Japon, qu'il est arrivé à reconnaître Miki, qui est japonaise. Et comme produit, nous avons Zachary. Et là, on va quitter avec quelques vidéos de Grenadier en action. On va faire une opinion par nous sur ce ça. Et puis, on va faire une connaissance qui nous déjà connaissé des questions asiatiques. Dans la prochaine vidéo, bye, ciao, à la prochaine.